Oui, bonjour à tous. Bon, eh bien écoutez, quoi de neuf aujourd'hui? Ben, quoi de neuf aujourd'hui, c'est que vraiment, ça va très, très mal pour les Ukrainiens. Ils ne savent vraiment plus comment faire. Comment faire pour arrêter l'offensive russe. Les points clés où ils s'étaient retranchés tombent les uns après les autres. Et même LCI commence à paniquer. C'est vraiment très, très intéressant. Et Radio-Canada nous dit qu'il va y avoir un recrutement d'une centaine de milliers d'hommes. Pas de nouvelles à part Radio-Canada, mais oui, peut-être. Et qui voudra se sacrifier pour un gouvernement qui n'a plus de légitimité en Ukraine? La paix est là, à portée de main. Alors pourquoi vouloir encore le massacre et encore plus de massacres? C'est absolument effrayant. Bon, d'autre part, ben, mon Dieu, nous sommes à moins 5 de la fin de la campagne des présidentielles américaines. Nous verrons bien. Mais j'ai bon espoir que Trump passe. Et puis c'est toujours le même massacre au Moyen-Orient, au Liban. Au Liban, oui, tout à fait. À Gaza, n'en parlons pas. Tous les jours, des morts et des morts. Et en Palestine. Eh oui, en Palestine. Oui, les arrestations sont de plus en plus fréquentes. Et puis, il y a des interventions de l'armée. Voilà un triste panorama de notre monde actuellement. Espérons que la présidentielle américaine changera quelque chose. La revue de presse. Une des localités emblématiques de ces progressions mineures en termes strictement territoriaux sont souvent des petites villes, voire même des villages. Mais il se passe là quelque chose comme un basculement. Didier François, vous êtes sur ce plateau. Les chiffres sont parlants. En réalité, la Russie couvre toujours une petite partie relativement de l'Ukraine. Elle n'a pas vraiment beaucoup progressé, de moins de 18%. Mais il y a un rapport de force morale qui est en train de se passer au détriment des Ukrainiens. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les Ukrainiens ont du mal aujourd'hui à tenir cette ligne de front face à une stratégie russe qui est une stratégie d'écrasement de leur point de résistance, et particulièrement l'utilisation de ces fameuses bombes planantes que les Russes utilisent de manière massive avec des avions et malheureusement qui détruisent l'ensemble des bunkers sur le front, causant des pertes importantes aux Ukrainiens. Parce qu'on devrait mettre les pendules à l'heure, et les pendules à l'heure, c'est que les États-Unis sont eux-mêmes en train de tirer les conclusions du fait que militairement, c'est plié en Ukraine. À notre détriment, bien sûr. C'est un fiasco militaire pour, bien sûr, l'armée ukrainienne, mais derrière, pour l'affrontement. Donc, on peut continuer à harceler, on peut continuer à faire semblant, à envoyer de l'argent, mais c'est surtout, c'est plus tellement les Américains, là, maintenant. C'est Biden a tiré ses dernières cartouches. C'est nous qui allons nous ruiner encore un peu plus pour aller donner des milliards à l'Ukraine dont on ne sait jamais où ils vont. Mais l'alternative, c'est de laisser les Ukrainiens eux-mêmes. Et est-ce que c'est même moralement, je dis bien moralement, concevable compte tenu de tout ce qu'on a promis? Alors, ça, parce qu'on a promis beaucoup aux Ukrainiens. On a promis beaucoup aux Ukrainiens, on a promis beaucoup à Zelensky. Je rappelle tout de même qu'il avait été élu sur des promesses de paix et de dialogue avec la Russie. Je rappelle qu'après, il s'est laissé juste embobiner, et peut-être, je ne sais pas comment on a réussi à obtenir son accord, pour finalement lancer la guerre à outrance sur le thème « vous inquiétez pas, on est derrière, on vous back, vous aurez tous les armements que vous voulez, jusqu'au... » Voilà, quoi qu'il en coûte, si j'ose dire. Quoi qu'il en coûte. Sauf que mathématiquement, c'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça que le réalisme, c'est la seule solution. Si on ne comprend pas qu'il est vital pour la Russie de ne pas laisser l'Ukraine devenir une puissance de l'OTAN,
On ne peut pas comprendre la manière dont elle a réagi, la manière dont elle s'est préparée, la manière dont elle s'est renforcée. Si on ne comprend pas la bascule du monde derrière et l'extraordinaire travail diplomatique russe qui est bien antécédent à la guerre en Ukraine. Extraordinaire, ce n'est pas un jugement de valeur non plus que vous rendez. Non, énorme. Enfin, quand je dis extraordinaire, je choisis à chaque fois de souligner pour qu'on se comprenne bien. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la diplomatie russe... En Afrique particulièrement. En Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Asie... C'est énorme ce qui est fait. Si vous regardez ce qu'a fait Sergueï Lavrov depuis qu'il est au ministère des Affaires étrangères, puis ça fait plus de 10 ans maintenant. 12 ans. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a toute cette mécanique, toute cette influence grandissante qu'on ne veut pas voir, puisqu'on a décidé que c'était le diable, la Russie. Et on ne comprend même pas, ou on fait semblant, mais alors là, les bras m'en tombent, on ne comprend même pas que quand même, l'idée américaine géopolitique derrière, c'est de couper l'Europe de la Russie. Parce que l'Europe plus la Russie, c'est un gros morceau de l'Eurasie, c'est un gros morceau économico-scientifique. C'était un rêve gaullien que absolument. De pouvoir rétablir les ponts entre la Russie européenne et l'Europe. Sauf l'Angleterre, parce que l'Angleterre a toujours eu un contentieux multicentenaire avec la Russie. Absolument, et elle est très très largement à la manœuvre sur plein de choses qui se passent en Ukraine. Donc, on veut être plus royaliste que le roi, et aujourd'hui, où les Américains, à la fois à cause des élections, mais pas seulement, parce que dans la presse anglo-saxonne, il y a beaucoup d'articles, et depuis déjà juillet 23, on est en octobre 24, bon, juin, juillet, ça a commencé dès que la fameuse contre-offensive ukrainienne, au bout de 3 semaines, on a compris que c'était mal parti. Il a commencé à y avoir des articles dans tous les grands journaux américains, britanniques. Alors, c'est perlé, c'est de temps en temps, mais qui laissent entendre que c'est mal trouver. Barré. Il faut trouver et il va falloir, à un moment donné, commencer à discuter et commencer à comprendre que jamais la Russie ne va rendre les 4 oblasts. Jamais elle va rendre la Crimée. Jamais. Il faut commencer à tenir compte de la réalité militaire sur le terrain. On ne fait pas des accords dans des nuages. Mais vous venez de faire la plus improbable des déclarations. Ces oblasts ne reviendront pas dans le giron ukrainien. Alors, si vous dites ça, il est entendu que c'est une bonne chose et donc cet état de fait ne peut être contesté. Or, sur le terrain, il est clair que ça va être difficile à contester, le terrain militaire. Ah, mais oui, c'est en cours, là. Les forces russes, jour après jour, grignotent jusqu'aux frontières administratives de ces 4 oblasts. C'est un fait. Et ces 4 oblasts, parce que nous avons déchiré l'accord d'Antalaya, mais Antalaya en avril 22, tout de suite après le début de la guerre, tout ce qui a été négocié entre les Ukrainiens et les Russes, tout de suite, là, au bout de 3 semaines, qui était la solution, c'est-à-dire... Et qui aurait fait perdre beaucoup moins de territoire à l'Ukraine. Mais c'est évident. Et qui l'aurait protégé. Et je ne parle même pas des morts. Je ne parle même pas des plus de 500 000 morts. Non, mais à quoi... 500 000 morts, ce chiffre vient d'où? Oh, bon, il vient de tout un tas d'Américains, d'ailleurs, en l'espèce. Parce qu'on on a bien... tué cette chose. Personne ne parle de... Ils disent 40 000, les Ukrainiens, bien sûr. 40 000. On leur a remplacé déjà 3 fois leur armée. Donc, 40 000 morts depuis 2 ans et demi. Non, mais c'est crédible. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que la Russie aussi, elle a eu des morts. Donc, ces 4 oblasts, il est politiquement impossible pour Poutine de dire, même s'il le voulait, mais il les a intégrés dans la Fédération de Russie. Donc c'est impossible, c'est fini. Bon. Et dans tous ces articles... Son destin est scellé avec ses oblasts, ou à ses oblasts. Son destin politique, sa lui. Sa crédibilité politique interne est liée, évidemment, à ce qu'il dit. Quand il dit, bon, ok, vous, ça fait... Parce que ça faisait depuis 2014 que ces parties-là, et en tout cas Donetsk et Luhansk, demandaient à entrer dans la Fédération de Russie. Et lui, il a dit non. Il y a Minsk, votre autonomie va être préservée. Il y a cru.
La notion problème de rupture, les risques de la rupture, j'aimerais vous entendre là-dessus. The Economist, qui est un journal évidemment très respectable, dit la Russie perd beaucoup d'hommes aussi, et on va y revenir, il y a une boucherie russe terrifiante, mais le point de rupture, le moment où un pays cède plutôt que l'autre, risque de menacer plutôt l'Ukraine. Pourquoi ? Oui, parce que là, l'avantage est clairement aux Russes actuellement. Ils ont conquis 500 km² de terrain, je crois, c'est le plus grand gain depuis l'offensive de mars 2022. On a bien sûr des combats qui continuent de se dérouler au nord, dans le saillant de Soudja, vers Soumy, mais c'est des combats qui, pour le moment, restent statiques. Les Ukrainiens continuent, et vous allez voir que ça devient de plus en plus fou par rapport à ce qui se passe dans la région dont on va parler, continuent d'injecter des unités. On vous renvoie, allez sur Patreon, on vous renvoie sur les pertes en chars occidentaux, notamment dans ce secteur, Challenger 2, Léopard 2, Emma Abrahams, hein, c'est très indicatif et représentatif, pardon, de ce qui se passe là-bas. Donc les Ukrainiens veulent tenir à tout prix, continuent des contre-attaques locales alors qu'ils sont écrasés par les feux de l'aviation et de l'artillerie russe, et ils continuent de perdre du monde pour tenir quelque chose qui n'a qu'une valeur symbolico-médiatique. Et donc pendant ce temps-là, le front dans le vaste secteur de Pokrovsk, à ce qui était encore important il y a quelques semaines avec Ougledar, continue de se désagréger à vitesse grand V. Vous avez donc Pokrovsk qui est tout au nord, vous avez Korakova qui est au milieu à droite, et puis vous avez Novosilka qui se trouve plein sud. Parce que ce sont les trois agglomérations qui, à nos yeux, sont centrales dans le combat qui est en train d'être mené par l'armée russe. Donc l'armée russe, on l'a dit, a pris Selidové, a pris Khernik, est en train d'attaquer Korakhove, et a débouché depuis Ougledar, hein. Bien évidemment, il y a celle de Korakhivka qui est la plus petite là au sud de Khernik, qui est en cours de réduction, et on pense que Korakhivka va tomber peut-être aujourd'hui ou demain. Ensuite, vous avez une autre poche plus importante au sud de Korakhove qui est en train elle aussi de se dessiner. Vous avez une toute petite poche qui, à mon avis, elle se résorbera toute seule, parce qu'il n'y a pas de village, il n'y a pas de ferme, il n'y a pas de fortification, il n'y a pas de terrain favorable à la défense entre Nova Ukraina et Bogoyavlenka. Et ensuite vous avez une grande poche qui peut se créer donc à l'ouest de Korakhove. Hein, si les Ukrainiens se laissent déborder par les troupes russes qui viennent du sud, hein, c'est la très grande flèche qui vient d'Ukrainsk et qui pointe donc vers Constantinople, parce que là, les Russes, on l'a dit, peuvent prendre à revers les défenses ukrainiennes qui bordent la route, hein, qui va de Constantinople jusqu'à Korakhove, puisque ces défenses sont tournées vers le sud. Des gens m'ont demandé, mais pourquoi les défenses sont tournées vers le sud alors que les Russes attaquent depuis l'est ? Bah parce que là on est dans un secteur qui formait un coude, le front formait un coude, et toutes les fortifications tournées vers l'est, les Russes les ont conquises. Donc maintenant vous avez des lignes de fortification qui ont été faites, hein. Quand on dit que c'est des lignes de fortification, c'est parce qu'il y a des fossés anti-chars, derrière il y a des lignes de défense avec des bunkers, des tranchées pour abriter l'infanterie et certaines armes lourdes, et donc tout ça avait été fait en cas d'attaque depuis le sud, hein, de l'oblast, donc notamment soit depuis l'oblast de Donetsk, soit depuis l'oblast de Zaporogé, et puis les autres étaient tournés, donc avec comme point d'appui du coude la ville d'Avdiivka. Alors derrière Avdiivka, il y avait aussi d'autres fortifications tournées vers l'est, mais tout ça a été conquis. Et donc les Ukrainiens, faute de génie militaire, de génie de combat pour aménager d'autres fossés anti-chars rapidement, des dents de dragon, ce genre de choses, ils n'ont pas pu le faire. Et c'est pour ça que depuis la chute d'Avdiivka, les Russes avancent sur cet axe donc est-ouest, et que une fois qu'ils ont eu la possibilité de casser le seul vrai gros nœud de résistance qui était tourné vers le sud, qui était Ougledar, et bien depuis là ils débouchent depuis le sud, et ils ont quasiment aucune opposition en termes de fortifications face à eux.
Ce qui est, à mon avis, peut-être le plus gênant, le plus dangereux, le plus préoccupant pour les Ukrainiens, c'est la dimension symbolique de ces avancées. On sait qu'il y a des dizaines de milliers, peut-être 100 000 déserteurs actuellement en Ukraine, d'hommes qui ne veulent plus aller se battre. Bon, quand ils voient d'un côté le caractère tellement meurtrier, tellement grave en vie humaine de ce conflit, et en même temps les Russes qui avancent, le danger, c'est qu'ils se disent, mais à quoi bon ? C'est ça, à mon avis, le principal impact de ces avancées qui restent limitées en termes géographiques. C'est ce point de rupture dont parle l'économiste. C'est effectivement pas, il se quantifie pas simplement au nombre d'hommes. C'est ce qu'on voit dans cette réalité de la société ukrainienne. Alors, 979 jours de guerre, les choses ne vont pas très bien. Allons-y une étape à la fois. D'abord, expliquez-moi la mobilisation. On a entendu des chiffres, 160 000 la cible pour aller mobiliser des nouveaux militaires. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Une nouvelle vague de mobilisation de 3 mois qui a été annoncée par le gouvernement de Volodymyr Zelensky pour pallier un problème très simple, c'est que l'armée ukrainienne manque dramatiquement d'hommes sur le front. Il y a eu bien entendu les pertes, mais il y a également la fatigue de ces soldats qui combattent dans des brigades depuis bientôt 1000 jours sans pouvoir être relevés parce qu'il n'y a pas d'hommes à l'arrière en nombre suffisant qui peuvent rejoindre les rangs de l'armée. On voit que le problème principal, outre les livraisons d'armes occidentales qui sont trop lentes et qui n'arrivent pas au bon moment pour les Ukrainiens, c'est vraiment la ressource humaine de savoir comment remplumer des brigades qui ont pu être décimées dans les combats et également créer de nouvelles unités pour éventuellement espérer pouvoir marquer des points sur l'année 2025. Chaque jour ou presque, la Russie grignote du territoire, donc à l'est, l'Ukraine perd un peu de territoire. Il n'y a pas de percée majeur, mais ça s'accumule, j'allais dire, presque jour après jour. Oui, tout à fait. Alors moi, j'appellerais ce phénomène un affaiblissement progressif des positions ukrainiennes sur la ligne de front, mais en aucun cas un effondrement. Je m'explique. Depuis environ un mois, l'Ukraine a perdu 450 km² de territoire, soit la plus forte perte depuis le printemps 2022. Donc on voit que l'armée ukrainienne est dans une position difficile, sous pression de l'armée russe qui s'est donnée comme objectif politique d'essayer de prendre le plus de territoire du Donbass à l'est avant l'élection présidentielle américaine qui pourrait changer beaucoup de choses pour l'Ukraine. À quelques kilomètres de la ligne de front, ces soldats complètent leur formation. Ils feront partie d'une unité d'assaut et ont un point commun. Ce sont tous d'anciens prisonniers. Pour l'officier responsable de l'unité, ces anciens détenus ont rapidement fait leurs preuves. Au début, je n'étais pas convaincu. Désormais, j'ai 100% confiance en eux et je leur confierai ma vie sans aucun doute. Avant de rejoindre l'armée, leurs profils ont été examinés par des juges. Ceux condamnés à la perpétuité, à des violences sexuelles ou à des meurtres prémédités ont été rejetés. Si je meurs, au moins ce sera sur le champ de bataille et mes enfants n'auront pas à avoir honte de moi. À la fin de la guerre, mon passé criminel sera derrière moi. Je pourrai commencer une nouvelle vie. Ces hommes feront partie des 160 000 soldats supplémentaires que Kiev a annoncé mobiliser mardi. Depuis l'entrée en vigueur en mai dernier de la loi qui autorise les prisonniers ukrainiens à combattre sur le front, près de 3 000 anciens détenus se sont déjà engagés. Tous les moyens sont bons pour essayer de pallier l'infériorité numérique face à l'ennemi russe. Surtout devant la menace d'une arrivée de troupes nord-coréennes au service de Moscou. Le ministère de la Défense américain avance qu'environ 10 000 Nord-Coréens sont arrivés en Russie. Selon les renseignements ukrainiens, un petit nombre d'entre eux seraient déjà dans la région de Koursk. Les Russes ont repris la quasi-totalité du secteur Koursk-Glouchkovo. Néanmoins, il reste encore une petite partie du territoire russe dans la zone grise. Les Russes continuent d'avancer sur le front de Louhansk. Par contre, sur les régions de Siversk et de Toretsk, là, ce sont les Ukrainiens qui ont repris du terrain, et notamment dans les combats urbains pour la ville de Toretsk. Sur le front de Donetsk, large avantage aux Russes, notamment dans la ville de Selidovie, mais plus particulièrement
dans le secteur qui se trouve entre Velika Novosilka et Vouledar, où ils ont lancé une attaque le 25 octobre, qui leur a permis d'avancer de plus de 60 km² dans ce secteur. Moi, j'ai eu des contacts avec pas mal de gens qui connaissent bien l'Ukraine, qui me disaient, aujourd'hui, la plupart des Ukrainiens, franchement, la Crimée et le Donbass, ils n'en ont rien à faire. Ils veulent arrêter, ils veulent que leur pays soit indépendant, soit viable, et puisse rejoindre l'Union européenne. Mais ils ne vont pas continuer à mourir pour reconquérir le Donbass, qui est une région totalement dévastée, qui a été bombardée par l'armée ukrainienne depuis 4 ans, par définition, et où tous les pro-ukrainiens ont quitté le territoire. Donc... voilà, il y a des réalités, vous savez, il y a la vérité du champ de bataille, et j'ai l'impression que les Européens ont oublié ce que c'est qu'une guerre. Une guerre, c'est pas celui qui a raison qui gagne, une guerre, c'est celui qui a la meilleure artillerie qui gagne, pour citer Napoléon. Les Russes ont la meilleure artillerie. Je le regrette infiniment, mais c'est un fait. Comment décoder les médias mensonges? Comment les repérer? Et surtout... comment les expliquer autour de soi? Parce que le savoir entre nous, ça fait plaisir, mais ça ne sert à rien. La chose importante, c'est sommes-nous capables de démontrer simplement, concrètement, qu'à chaque guerre, on nous ment et que les médias mensonges, ça tue. Que les États-Unis... dont on nous dit dans les couloirs qu'il ne faut pas trop les accuser, que de temps en temps, ils font des choses bien. Les États-Unis ont lancé, il y a plus de 20 ans, une guerre dite contre le terrorisme qui a fait 6 millions de victimes civiles. On a publié dans le livre « La gauche et la guerre » le décompte. Irak, Yémen, Libye, Moyen-Orient, Afghanistan, 6 millions de victimes civiles. Et donc, face à ça, on a souvent un sentiment d'impuissance. J'entends ça souvent, ils sont trop forts. Il y a toute une industrie du mensonge, il y a de l'argent, il y a des experts. On ne peut pas débattre à la télé. Certains rêvent même d'interdire les débats privés. Et donc, oui, il y a du découragement, on ne doit pas se le cacher. Et donc, c'est ça qu'on a voulu, ce problème-là qu'on a voulu affronter avec le livre « Ukraine, la guerre des images » dont on va présenter quelques extraits, 50 exemples de désinformation, et le livre « 7 octobre, enquête sur la journée qui a changé le monde » parce que ceux qui me connaissent, et j'avais... l'émotion, en attendant ici dans la cafétéria voisine, de voir un vieil ami qui avait acheté Attention Média et ne l'avait pas encore dédicacé. Et donc, c'est le tout premier bouquin sur la toute première guerre du Golfe, les fameuses couveuses. Déjà, les armes de destruction massive, pas sous ce nom-là, mais quand même. Et donc, je suis allé en Irak. Après ça, j'ai vu la destruction, la désolation du pays. J'ai vu, à cause des armes à uranium appauvri et du blocus qui empêchait les produits médicaux et chirurgicaux d'arriver, j'ai vu des bébés qui étaient nés comme des monstres, avec un œil au milieu du front, avec pas de main, des oreilles épouvantables. Et ces meurtres qu'on vit encore maintenant quotidiennement, ils sont uniquement possibles grâce à la désinformation qui n'est pas un accident, qui n'est pas des erreurs, qui n'est pas le fait de quelques-uns, qui est une machine et un système. Et on voit bien qu'au niveau des médias occidentaux, notamment en France encore une fois, ça rend les gens un peu fous. Alors on va commencer bien sûr, j'en ai pas parlé lundi, parce que ça me semblait tellement anecdotique, mais là j'en reparle parce que ça devient tellement drôle qu'il faut quand même qu'on en parle un petit peu.
Donc, dimanche dernier, on devait voir apparaître, selon le chef d'état-major Sirski, selon Zelensky, selon les services de renseignement sud-coréens, dimanche dernier à 9h, dans l'oblast de Koursk, heure de Moscou, on devait voir arriver l'armée nord-coréenne avec ses 10 000 hommes pour attaquer les positions tenues par les Ukrainiens dans le saillant de Soudja. Eh bien, il s'est rien passé. Les seules informations dont nous disposons avec certitude, c'est que des troupes nord-coréennes, peut-être 10 000 hommes, sont à l'instruction dans l'extrême-orient russe du côté de Vladivostok. Voilà, on a plusieurs canaux d'information, hein, plusieurs observateurs à nous qui nous ont confirmé cette situation. On a vu sur LCI très courageusement l'ancien général de l'armée de l'air, Jean-Vincent Brisset, expliquer tout ça à un plateau médusé qui était en train de nous dire « Ah ben, Zelensky, il a dit, oui, Zelensky, il avait employé le conditionnel. Ah ben oui, mais les services sud-coréens et américains, ben, bien sûr, on va faire confiance à des services secrets d'une puissance alliée de l'Ukraine pour venir nous dire, attention, il y a des soldats nord-coréens alors que c'est dans leur intérêt pour faire monter la sauce en vue d'obtenir pour l'Ukraine l'autorisation de frapper la Russie dans la profondeur. Prenez-nous pour des idiots. » Et devant l'énormité du blackout informationnel. C'est un blackout ? Ah ben sur l'Ukraine, c'est sur l'Ukraine. Enfin, depuis 2 ans et demi, je pense que on est dans un, c'est guignol quoi. Je veux dire, on est dans une description soi-disant de ce qui se passe dans le conflit ukrainien. Je parle même pas des origines. Je parle même pas de les forces ukrainiennes qui étaient à l'attaque une semaine avant que la Russie n'entre, de la unprovoked aggression qui est quand même, c'est quand même une énormité. Je ne parle même pas de tout ça. Je parle de la description au jour le jour de l'évolution du conflit. On a l'impression qu'on est une agence au service des forces spéciales ukrainiennes ou des services ukrainiens. Je ne sais pas. C'est grave. C'est très grave. Il y a la saignée du front avec les combats, et puis il y a la saignée des gens qui s'en vont parce qu'ils ne veulent pas aller au hachoir à viande pour ce régime qui est complètement corrompu, on le sait bien, hein, qui a détourné, on a vu encore passer des papiers concernant le détournement. Alors, on parle plus de ce qui se passait entre 2014 et 2022, mais depuis 2022, des détournements qui ont été opérés de l'aide occidentale, donc de nos impôts, hein, qui sont envoyés là-bas par par Monsieur Macron et ensuite par Madame von der Leyen, eh bien, on sait bien que cet argent-là est en partie, tout ou partie, détourné par les mafias locales, qui se servent grassement au passage au détriment des populations civiles et au détriment, bien évidemment, on l'a rappelé à plusieurs reprises, de l'armée ukrainienne, puisqu'une partie donc de ce qui est détourné, c'est du numéraire, et puis une autre partie de ce qui est détourné, c'est de l'armement qu'on retrouve sur d'autres endroits du globe, hein, notamment entre les mains de certains cartels au Mexique, ou de certaines milices ou guérillas africaines, donc voilà, on sait bien que c'est au détriment du peuple ukrainien et de son armée, et de ses soldats, voilà, qui, alors hier soir, sur LCI, découvraient l'eau chaude, hein, puisque ils savent qu'en face, maintenant, les Russes se sont réarmés dans des proportions qu'ils n'avaient pas imaginées, ma pauvre dame. C'est un déni, nous sommes dans le déni du réel, total. Je lisais hier des... Remarquez, c'est bien, parce que tout est tellement tragique, de temps en temps, on peut rire. Bon. De temps en temps, on lit des articles, même des titres d'articles, on se dit, mais c'est pas possible, mais comment peut-on écrire le titre d'un article comme ça aujourd'hui ? Nous avons, par exemple, un sommet qui vient de se clore, oui, à Kazan, en Russie, qui a réuni en gros la moitié de la planète, à peu près, hein, 35 à la louche. Voilà, 35 chefs d'État, donc celui des BRICS, qui n'est pas du tout une OTAN du Sud collectif, comme on veut le dire. C'est une association. C'est une association ultra puissante et ultra attractive. Et aux intérêts pas toujours convergents. C'est-à-dire qu'entre l'Inde et la Chine, c'est pas toujours l'harmonie. Absolument. Il y a même du rififié à la frontière. Mais absolument. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est précisément cette espèce de souplesse interne, structurel, qui fait partie de la structure, et que les dirigeants initiaux des BRICS sont tous bien d'accord pour maintenir. Russie, Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud. Bon. Qui s'est voilà, plus 5 autres, plus 5 autres, et c'est là que ça devient très intéressant, et c'est là qu'on se rend compte que le danger, puisqu'on évoquait le danger de cette posture de déni, est suicidaire. Pourquoi ? Mais parce qu'on est
C'est comme si on essayait de mettre un drap noir vis-à-vis de toute la réalité qui, en fait, nous entoure. On se met nous-mêmes dans une bulle et on persiste à expliquer que c'est notre bulle qui a la vérité révélée. Et l'article auquel vous faisiez référence sur cette négation du réel, parce qu'on s'en est parlé à micro fermé, et ça m'a aussi marqué, tellement que j'en ai fait une chronique plus tôt la semaine dernière, où je disais, mais on s'est indigné de la présence du secrétaire général des Nations Unies, je pense que c'est l'article auquel vous référez, tout à fait, à ce rassemblement de chefs d'État qui regroupe plus ou moins 50% de la population mondiale. Donc, alors, le secrétaire général des Nations Unies, déjà, il est censé s'intéresser à la planète entière. Ce qu'on appelle, nous, la communauté internationale, c'est en fait l'Occident. C'était déjà le cas dans les années 90 dans les Balkans. On essayait déjà d'expliquer que c'était la communauté internationale, c'est-à-dire le regroupement de ceux qui ont le droit de parler pour tous les autres. Là, c'est un peu terminé. Et cet article qui explique... Antonio Guterres est allé à Kazan et il a rompu l'isolement de la Russie sur la scène internationale. Et alors là, on se pince. Parce que s'il y a bien une chose que vient de démontrer, parmi tellement d'autres démonstrations, mais enfin, au moins celle-là, elle était énorme. Mais on n'en parle pas dans nos journaux, on n'en parle pas quasiment pas sur nos médias en France. S'il y a bien une chose qui a été démontrée là, c'est que la Russie n'est vraiment pas isolée. La partie du monde qui est en train de s'isoler de tout le reste, c'est nous. C'est l'Occident qui est en train de s'isoler. Et plus il fera semblant de ne pas comprendre ce qui se passe autour, de prétendre pouvoir renverser une vapeur géopolitique globale, c'est un shift, c'est une mutation tectonique, en fait, de l'ordre international qui est en cours. Ça a commencé il y a 10 ans, moi j'en parle depuis 2015. Bon. Il y a une accélération présentement ? Il y a une accélération dont nous sommes à l'origine, comme d'habitude. C'est là qu'on se dit qu'on est suicidaire. C'est que ce qui s'est passé avec la Russie depuis février 22, la manière dont on est monté à la guerre et dont elle a fait la faute, dont elle est entrée et dont depuis... Elle se renforce colossalement. Est-ce que ce serait pas tombé dans un piège en choisissant de laisser tomber les gants et d'aller se battre, mais à point nu? Mais parce que les Russes ont considéré, d'après tout ce qu'on peut lire, comprendre, connaître de leur mentalité, de leur manière de réfléchir, que ça devenait existentiel. Des bases de l'OTAN nucléaire en Ukraine, c'est une menace vital sur le territoire russe, c'est frontalier. Et c'est pas une petite frontière, c'est pas Kaliningrad et autour. C'est gigantesque. Donc c'est la réduction par deux du temps de réaction russe face à des frappes de missiles. Potentiel. Potentiel, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les gens qui planifient la sauvegarde d'un État, la mise en sûreté d'un État, il y a un changement de paradigme. Ça ne peut pas être toléré. Là, le but, c'est d'essayer de réfléchir sur la suite, et la suite, c'est ça. Là, on est passé à une autre phase de ce que pourrait être le plan russe. Hein, donc, vous n'avez plus qu'une seule qui est manifestée par ce cercle bleu pointillé dans la zone donc qui va de Bogoyalemvka jusqu'à Korakove. Pour vous dire, voilà, là, c'est le gros des défenses ukrainiennes qui restent à encercler. En rouge, vous avez donc les axes probables de la progression russe dans les jours qui viennent, tels que nous les analysons aujourd'hui. En orange, la seconde phase de progression. Et puis en jaune, éventuellement, la troisième phase. Je dis bien, en jaune, la troisième phase. Je ne peux pas vous dire que c'est ce qui va se passer. En termes de temporalité, ce serait plutôt fin novembre. Je ne vais pas vous dire c'est ça qui va avoir lieu. Mais quand on voit la façon sur la première carte dont se déploie l'offensive et dont elle peut se déployer dans les semaines qui viennent, on se dit qu'ensuite, il y a trois grands axes routiers qui tombent entre les mains des Russes. Et là, il n'y a plus de défense. Hein, quand vous regardez sur les cartes qui sont fournies par Weeb Union ou par d'autres, il n'y a plus de ligne défensive. Pas aujourd'hui. C'est une question sans deuxième degré. Parce qu'on n'est pas au total, si la responsabilité
c'est de faire en sorte que les populations soient en sécurité. Est-ce qu'on est maintenant davantage en sécurité qu'en janvier 2022? Pour moi, beaucoup moins. Pour moi, beaucoup moins. Parce que nous avons cautionné un projet qui est un projet américain, qui est un vieux projet, de faire tomber l'Ukraine dans l'escarcelle. Même certains grands diplomates américains avaient déjà prévenu. Dans les années 90, ils ont dit « Attention, il ne faut pas toucher à l'Ukraine. Hein. L'Ukraine, c'est la limite. On peut essayer de grignoter les pays, etc. » L'actuel dans l'OTAN. Patron de la CIA, ancien ambassadeur américain à Moscou. Je vois que, voilà, Burns. C'est Burns. L'a dit, il l'a expliqué. Niet means no. Voilà, c'est ça. Non, voilà. Veut dire non. Voilà. Donc, nous avons continué, nous continuons, parce que nous ne pouvons pas concevoir que l'ordre international soit un ordre équitable, soit un ordre où chaque grand espace, chaque grande masse soit simplement considérée et respectée. C'est ce qu'on avait voulu faire avec la charte de l'ONU. On voit bien ce qu'est devenu l'ONU aujourd'hui. À force de s'asseoir dessus, et notamment depuis 1990, je ne pense qu'à, ne serait-ce qu'au conflit yougoslave, mais l'Irak est un bon exemple, on ne se sert pas de l'ONU, et on explique que c'est parce qu'il y a un veto, et que du coup, comme les Chinois et les Russes ne sont jamais d'accord avec nous, ben en fait, ça ne sert à rien l'ONU. Bon. J'en profite pour faire une nouvelle parenthèse, parce que c'est une riche conversation. On nous a beaucoup convaincus que cette agression russe en Ukraine était la première guerre sur le sol européen depuis la deuxième. Or, vous étiez aux premières loges d'une autre guerre qui s'est livrée sur le sol européen, en Serbie, enfin Bien en ex-Yougoslavie. Mmh. Oui, absolument. Où là, on a juste décidé, sans mandat, en auto-saisine de l'OTAN, sans rien du tout, je veux dire, de notre propre décision, hein, et en montant quand même un certain nombre de choses pour le rendre comestible médiatiquement, on a juste décidé d'enlever une province qui appartenait strictement à la Serbie, le Kosovo, il y avait la Voïvodine et le Kosovo, et d'en faire un petit État. C'est que Stepan Bandera, c'est pas un petit marginal pour quelques nostalgiques. Comme je le disais, il y a aujourd'hui encore 60 villes où il y a des monuments en son honneur. Or, Stepan Bandera, c'est le chef des Oustachis croates, ukrainiens, pardon, en Croatie il y en a eu aussi, qui ont aidé Hitler, et là la photo montre le Babi Yar en Ukraine, 100 000 personnes exécutées par ces fascistes ukrainiens et les nazis, juifs, polonais, tziganes, opposants, malades mentaux, prisonniers de guerre, etc. Donc, ce n'est pas des marginaux, et d'ailleurs il y a des timbres à l'effigie de Stepan Bandera. C'est comme si on avait en France des timbres à l'effigie de Pétain, en Belgique à l'effigie de Grêle, en Allemagne à l'effigie d'Hitler. C'est exactement ça qui se passe. L'adjoint Stetsko en bas de Bandera est reçu par George Bush le père, qui était alors vice-président des États-Unis, et ils ont fait venir toute une série. Comme ils ont fait venir des nazis qu'ils ont récupérés, Gehlen, von Braun, etc., ils ont récupéré des nazis ukrainiens. Et donc, ces gens-là ont encore une énorme influence, ce n'est pas des marginaux. Et à Maïdan, en 2014, on a eu les charmantes milices que vous voyez là en haut, qui ont saccagé le siège du Parti communiste, brûlé des livres de Marx, des portraits de Lénine, et on a eu... Le 2 mai 2014, la photo avec l'incendie, des hordes fascistes de Pravi Sektor qui ont assassiné une cinquantaine de manifestants anti-Maïdan à Odessa. Tout ça, ça a commencé à la fin de la guerre froide, avec des promesses non tenues envers les soviétiques qui étaient en passe de ne devenir que des Russes, par les Américains, et puis surtout un processus jamais clos d'extension de l'Alliance Atlantique jusqu'aux frontières de la Russie. Mais plusieurs contestent ce scénario en disant « c'est tout à fait légitime que des pays veulent ou veuillent se joindre à nous et que ceux-ci soient des nouveaux membres de l'OTAN, ravis et contents de participer à cette grande fête occidentale ou atlantiste, et que ce n'est pas une raison pour que la Russie ait sauvagement, du jour au lendemain, décidé d'attaquer l'Ukraine. » Alors,
sur ce principe, c'est-à-dire que chacun devrait pouvoir... Est libre et devrait pouvoir choisir ses arrangements de sécurité comme il le souhaite. Mais la sécurité, c'est pas choisir une paire de chaussures plutôt qu'une autre. Hein. C'est quelque chose qui concerne tous les Européens et à la fin de la guerre froide, qui a concerné toute la structuration et le maintien, surtout, d'une sécurité européenne et donc d'un équilibre dissuasif. Il y a eu, à l'époque, à la fin de l'année 1990, une grande réunion qui a donné lieu à un document qui s'appelle la Charte de Paris, dont le principe, donc, qui réunissait tout le monde, hein, qui c'était dans le cadre de l'OSCE à l'époque, et qui donc réunissait les Américains, les Russes, tous les autres pays, toute l'Europe, etc. Le principe de cette charte, c'est, et qui est un principe d'une grande logique, c'est l'indivisibilité de la sécurité européenne. Bon, c'est-à-dire... On ne peut pas donc opposer un acteur à un autre. Tout le monde est, par définition, pris à se tenir par la barbichette. Voilà, on se tient par la barbichette et on n'étend pas sa sécurité ou ses structures de sécurité aux dépens des autres. Voilà, donc on tient compte des positions des autres. Après, il y a une réalité géographique. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est pas... Déjà, il y a eu plusieurs vagues à partir de 99 d'extension de l'OTAN, qui a grignoté les anciens satellites, qui effectivement le souhaitaient, avaient de mauvais souvenirs. Je pense aux pays baltes particulièrement. Aux pays baltes, les Polonais, enfin bon, bref, tout le monde a fini par venir. Et dès 2000, il y a eu la Géorgie, donc on a commencé à essayer déjà de déstabiliser un petit peu la Russie dans des abords assez proches. Bien sûr, le récit officiel, c'est que c'est la Russie qui a voulu prendre la Géorgie. Bon, ça s'est réglé en 3 jours. Là, ça a été assez clair. Les Géorgiens ont commencé à entrer. Les Russes ont réagi. Hop, on a vite trouvé un petit accord pour arrêter les dégâts. Mais l'Ukraine était depuis le début, parce que l'Ukraine, c'était une puissance qui avait des armes nucléaires. Et on l'a désarmée, d'ailleurs, cette Ukraine. On l'a désarmée. Les armes nucléaires ukrainiennes sont reparties en Russie contre la préservation de la souveraineté des frontières de l'Ukraine. Donc c'était « je renonce, je deviens, je me dénucléarise », entre guillemets, et en échange, ma souveraineté est préservée. Donc ma neutralité est préservée. Et que se passe-t-il à partir de 2007, Vladimir Poutine, qui sent bien la pression qui vient de notre côté, du côté de l'OTAN, explique des évidences, mais enfin il les explique. Il met en garde à plusieurs occasions aussi. Il met en garde à Munich, partout, ça a été dit sur tous les tons et par tout le monde. Le Kremlin a déclaré jeudi que la direction de l'Ukraine était clairement nerveuse face aux avancées russes le long de la ligne de front, au point que Kiev demande aux États-Unis de fournir des missiles Tomahawk à longue portée. Le New York Times a rapporté plus tôt que le président Volodymyr Zelensky avait demandé aux États-Unis des missiles Tomahawk, qui ont une portée de 2500 km, bien supérieure à tout missile que l'Ukraine possède actuellement dans son arsenal. Zelensky a également suggéré dans une vidéo publiée mercredi que Kiev avait fait une telle demande. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que la tendance sur la ligne de front, où la Russie a avancé au cours des 3 derniers mois à un rythme le plus rapide en 2 ans, était clair. Dans le contexte de cette dynamique, le régime de Kiev a commencé à montrer une nervosité considérable, a-t-il déclaré. Le New York Times a indiqué que Zelensky avait demandé aux États-Unis de fournir des missiles Tomahawk dans le cadre du plan de victoire qu'il a présenté au début de ce mois, dont il a dit à l'époque qu'il était secret. Peskov a déclaré que les plans de l'Ukraine, qu'ils soient secrets ou non, aboutiraient finalement au retrait complet des pays occidentaux de la guerre de la part de Kiev. Tous ces stratagèmes ont ce but ultime. C'est ainsi que nous le voyons, a déclaré Peskov. Entendront certaines personnes en disant « Mais peut-on être calme et raisonnable avec un adversaire aussi redoutable que Vladimir Poutine ?» Et je réalise, en vous posant la question, en fait, je le sais, qu'il est tenu pour acquis, qu'il est de bon ton de ne se soucier que de nos intérêts. Oui. Alors, les intérêts de la Russie ne sont peut-être pas les miens, les non. intérêts de la Chine ne sont peut-être pas les miens, mais ce sont des puissances qui ont, à leurs propres yeux, des intérêts Bien géopolitiques, sûr. Géostratégiques, avec lesquels je dois me faire à l'idée que je dois composer. Ouais. Bien sûr, il faut composer. Les préoccupations sécuritaires des autres sont aussi légitimes.
Voilà. Donc, Mais alors, est-ce qu'on est aveugle de ce point de vue-là? C'est-à-dire qu'on en est venu à assimiler l'idée atlantiste comme étant la seule idée raisonnable? Mais absolument, parce que nous sommes dans une espèce de volonté, mais qui me paraît aujourd'hui de plus en plus à la fois délirante, suicidaire et suicidaire. Sans issue. Ah oui, suicidaire. Oui, parce que nous sommes en train de nous affaiblir, je vais vous expliquer. Nous sommes en train de nous affaiblir considérablement. Nous étant l'Occident. Nous, l'Occident. Moi, je me considère comme une occidentale, une française, une européenne, etc. Bon, je suis très patriote, oui, c'est certain, mais je considère que je fais partie de l'Occident. Et d'ailleurs, la Russie de Poutine considérait et a longtemps considéré qu'elle était une puissance européenne et un morceau d'Occident. Et c'est ce qu'elle est aussi. Ce qu'elle est géographiquement, aussi ce qu'elle est parce culturellement. Parce qu'elle est aussi asiatique. Elle est asiatique, c'est une puissance eurasiatique, c'est le plus gros pays du monde, il ne faut quand même pas l'oublier. Hein. Bon. Donc, j'en reviens au fait que nous sommes dans une crispation d'un ordre ancien qui meurt d'une manière absolument flagrante, manifeste, le monde entier le voit. Il n'y a vraiment que nous qui ne comprenons pas que l'ère de l'unipolarité, l'ère de l'hégémonie et de la prétention hégémonique, non seulement américaine, mais avec l'Europe derrière, l'Europe en bon petit soldat derrière, tout ça c'est terminé. L'impact des sanctions s'affaiblit de jour en jour. Est-ce que c'était beaucoup trop optimiste de se dire que des sanctions allaient pouvoir plonger les Russes dans un marasme total? Les sanctions ne marchent jamais. Jamais. Ni en Corée du Nord, ni avec l'Iran, ni avec Cuba. Ça atténue, évidemment. Enfin, je veux dire, ça complique la vie quotidienne des gens. Mais ça peut même coaliser au plan politique une population avec le gouvernement qui est victime de sanctions. Et je dirais, cette fois-ci, ça a été encore pire, parce que par rapport aux sanctions qui avaient été prises contre l'Irak, par exemple, par toute la communauté mondiale, on a aujourd'hui une double mondialisation. Donc il y en a une dominée par les Occidentaux qui a décrété les sanctions, et puis il y en a une autre dont le patron global, est la Chine, ou le Sud global, ouais. Avec ses hétérogénéités, tout ça est vrai, mais enfin quand même, hein, la Russie vend son pétrole à l'Inde, l'Inde est très contente d'acheter son pétrole, tout en nous achetant des armes à nous, mais elle considère qu'elle n'est pas liée par les décisions occidentales, la Russie se procure des semi-conducteurs via la Chine, etc. Donc c'est encore plus difficile parce qu'il y a des circuits commerciaux parallèles et financiers maintenant, hein, parallèles qui justement permettent d'alimenter les parias de l'autre monde d'une autre. En fait, quand on regarde de près, les seules victimes des sanctions contre la Russie, c'est l'Europe, qui a vu le prix de son énergie exploser, oui. Et ce qui a conduit à une nouvelle vague de désindustrialisation qu'on subit en ce moment. Alors, c'est pas une raison pour ne pas les avoir décidés. Hein. Vous pouvez pas non plus donner de l'argent à votre ennemi comme ça. Donc il y aurait eu un coût politique, un coût moral très élevé. Mais au plan économique, c'est absolument terrible. Nous avons complètement raté notre cible et l'arme s'est retournée contre nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a détruit le Moyen-Orient. Hein, on a détruit tous les grands États. Tous les grands États multiconfessionnels, multiethniques, pas les autres, hein, pas les autres, qui avaient des régimes autrement plus durs encore, pas les autres. Alors vous pensez à l'Irak ? L'Irak, la Libye, la Syrie. L'Irak, la Libye, la Syrie, trois grands pays extrêmement riches en hydrocarbures, trois grands pays dont les leaders, dont on peut penser ce qu'on veut. Moi je suis gaullienne, donc si vous voulez, moi les régimes, c'est pas mon sujet, c'est les États qui comptent. Je ne vais pas aller leur expliquer comment ils doivent faire, comment je peux aider, je peux proposer, je peux dire que nous avons d'autres principes. Mais les imposer, mais c'est la recette de l'échec. Et c'est la recette, à la fin, de la perte d'influence. Parce que ça, c'est net. Aujourd'hui, il y a une alternative et tous ces États se jettent dans cette alternative. Et on pourrait ajouter que dans une perspective intéressée de combat au terrorisme et à l'intégrisme, l'Irak, la Libye, étaient peut-être, mais bien mutatis sûr. Mutandis, oui. Des alliés. Mais c'était absolument des alliés, et ça n'est pas un hasard. Moi, je ne suis pas, alors on va me dire, ce n'est pas du complot, hein, c'est juste l'observation des faits. Comment cet islamisme radical, ultra-violent, et qui aboutit à la fin à des attentats sur le sol des pays européens et ailleurs,
D'où ça vient tout ça? Oui, il y avait une logique à l'OTAN. Alors ça ne voulait pas dire, et le général l'a très bien su le faire, qu'on était obligé d'être engagé, de se laisser engager, notamment en appartenant à la structure militaire intégrée de l'OTAN, de se laisser engager dans des affrontements où on ne jugeait pas nos intérêts vitaux et nationaux en jeu, en lice, et donc de choisir nos engagements. Mais ça ne nous empêchait pas d'être un bon allié. On l'a été au moment de Cuba, on l'a été à plein d'occasions. Bon. Donc, L'exemple irakien serait bon, c'est-à-dire que la France et le Canada ont choisi de dire ce n'est pas notre guerre. Mais non. Et ont résisté à Bush fils. Oui, et surtout aux fausses preuves et à tout ça, parce que tout ça se savait. Bon. Donc tout ça, c'est une mascarade absolument scandaleuse à laquelle s'est prêté Colin Powell. Très bien. Donc, on a su faire ça, mais ça c'est 2003, ça fait 20 ans. Et depuis, il y a un long affaissement, un long abandon, un long renoncement qui ne dit pas son mot, donc son nom. Donc voilà, de temps en temps, on fait semblant de ruer dans les brancards, on n'est pas content. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on nous dit. Salomé Zourabichvili, présidente géorgienne pro-occidentale, refuse de se rendre au bureau du procureur qui l'a convoquée afin qu'elle détaille ses accusations de fraude à l'encontre du parti au pouvoir, vainqueur des élections législatives. It's not up to the president to provide the proofs that exist in the society, the non-governmental organization, the observers and regular citizens have been providing huge amounts of proofs that are every day coming out and are showing more and more how large, how systemic, how massive was the rigging of the elections. Cette annonce intervient quelques jours après la tenue du scrutin qui, selon l'opposition, a été entaché d'irrégularités. L'Union européenne avait demandé à Tbilissi d'ouvrir des enquêtes sur ces allégations de fraude électorale. Lors d'une conférence de presse, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ironisé sur une victoire de la Russie en Géorgie. Selon lui, Moscou fera la même chose en Moldavie si l'Occident n'agit pas. À quelques jours de l'élection présidentielle américaine, Kamala Harris et Donald Trump multiplient les déplacements dans les swing states, des états décisifs dans la course à la Maison-Blanche. Mercredi, la candidate démocrate était en meeting dans la ville de Raleigh, en Caroline du Nord, un état pivot qui n'a pas voté démocrate depuis l'élection de Barack Obama en 2008, mais sur lequel Kamala Harris fonde ses espoirs. It is time for a new generation of leadership in America. And I am ready with you. I am ready to offer that leadership as the next president of the United States of America. La candidate démocrate s'est ensuite rendue en Pennsylvanie où elle a exhorté les électeurs à se rendre le plus tôt possible aux urnes. Dans le même temps, l'ancien président républicain a également tenu un meeting en Caroline du Nord. And now speaking on a call for her campaign last night, Joe Biden finally said what he and Kamala really think of our supporters. He called them garbage. And they mean it. Even though without question, my supporters are far higher quality than Crooked Joe or Lying Kamala. Les deux candidats à l'élection présidentielle tiendront des meetings dans l'État du Wisconsin. D'après les sondages, ils sont au coude à coude. Donald Trump qui multiplie les meetings, notamment en Pennsylvanie, l'un de ces États clés qui peuvent faire basculer le scrutin. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Caroline Baudry. Sur le pull de Josh, rouge républicain, une photo de Trump, l'oreille en sang. La tentative d'assassinat du candidat est devenue une image de campagne. Il a le poing en l'air comme défiant toute la violence à laquelle il est confronté. Je pense que ça représente sa présidence, hein, parce que Trump était un homme d'affaires avant d'être un homme politique. Tous les autres politiciens sont juste de sales dealers. La file d'attente s'allonge pour entrer dans le bâtiment. Ce père de famille a pris 4 heures d'avance pour espérer voir l'homme qui partage ses convictions. Je ne suis pas contre l'idée que des gens immigrent ici pour avoir une vie plus sûre, mais contre ce processus selon lequel n'importe qui peut se faufiler, avoir apparemment le gîte et le couvert et être simplement accepté. Les vendeurs de casquettes déambulent, mais Sarah a déjà la sienne, même
Make America Great Again, peut-on lire. L'économie, c'est très important. Je vois partout des gens qui perdent leur emploi. Et les prix de la nourriture, des produits, des hôtels, tout s'est envolé. L'assaut du Capitole du 6 janvier, les démocrates n'ont que cela à la bouche, grommelle un routier. Une preuve, selon lui, qu'il manque d'arguments convaincants. Alain Thorn, Caroline Baudry, Europe 1. Ici, il est très critique. Là, on a un anti-Trump tout à fait décidé en la personne. Moi, je dis que Trump est un agent de Poutine. C'est aussi simple que ça. C'est un agent, il est sous contrôle. Depuis 4 ans, ce qu'il fait est téléguidé. Voilà. Michel Yakovlev, donc lundi 28 octobre sur le plateau de LCI face à Darius Rochebain. Il est catégorique, c'est aussi simple que ça. Le candidat républicain à la présidentielle américaine serait l'agent de Poutine, rien que ça. Bon, c'est pas vraiment nouveau ça, mais bon. Bah, c'était censé être nouveau. il le traite d'agent de Poutine depuis le début. Et par contre, pour le coup, c'est ultra complotiste, parce qu'ils n'ont vraiment aucun élément. Il y a quand même une enquête qui a été faite pendant 4 ans sur le sujet et absolument rien n'a été trouvé aucune dans le preuve. Dossier. Quoi. Ouais, c'est pas grave, le mec, il l'affirme comme ça. Mais exactement. Et puis alors, donc c'est quasiment officiel hein, sur les chaînes de TV. On a eu donc sur LCI la longue émission, on disait Donald Trump, agent russe. Sur France 5, il y avait le 20 octobre en soi le documentaire d'Antoine Vidkin qui s'appelait Opération Trump, les espions russes à la conquête de l'Amérique. Donc c'est toujours la faute des Russes. Hein, bah Poutine, oui, la grande faute des Russes. Poutine, c'est vraiment la cause de tous nos problèmes, l'augmentation des prix de l'énergie, le RN et les punaises de lit. Mais il y a une autre hypothèse hein, concernant le vrai visage de Donald Trump. Et c'est France TV qui nous la laisse voir avec une approche beaucoup moins partiale et bien moins caricaturale. L'autre approche n'est pas de dire que Trump est un suppôt de Satan, alias Poutine, rayé la mention inutile, mais que Trump est tout simplement un fasciste ou un nazi. Donc on a quelques mais exemples. Mais alors vous avez des exemples ou pas? Exactement, on en a quelques-uns. Par exemple, ce dimanche soir à 19h, France 5 proposait l'émission Trump, la menace fasciste. Toujours sur France 5, on avait une émission sobrement intitulée Trump, le nouveau visage du fascisme. C'est pas redondant en plus comme thème. Et puis lundi dans C'est ce soir, hein, sur France 5, on avait Trump, un fasciste. Un fascisme à l'américaine. C'est un peu comme si le service public avait un message à passer discrètement. Hein. Oui, mais on a un petit peu de mal à l'interpréter, alors on va regarder un petit extrait pour y voir un peu plus clair. C'est intéressant parce que l'élection de Trump, comme le rejet, enfin le Brexit en Grande-Bretagne, sont le résultat de la désinformation et de la manipulation des réseaux sociaux. Voilà, donc l'élection de Trump et le Brexit sont le résultat de la désinformation et de la manipulation des réseaux sociaux. Si des électeurs votent pour Donald Trump, c'est parce qu'ils sont victimes de désinformation. Ben voyons, et puis si les méchants gagnent, c'est parce qu'ils manipulent. C'est quand même culotté, on peut dire qu'il y en a qui sont nés avant la honte. En revanche, le camp du bien, lui, ne s'adonne pas à ses bassesses et ça saute aux yeux. Un nouveau missile balistique intercontinental a été lancé jeudi par la Corée du Nord. Cet essai a enregistré une hauteur et une durée de vol record en un an. La Corée du Sud et le Japon ont tous deux détecté le tir qu'ils soupçonnent d'être une nouvelle arme plus agile visant à menacer la partie continentale des États-Unis. Le porte-parole du chef de l'état-major interarmé de la Corée du Sud a également mis en garde contre la possibilité que la Russie fournisse du matériel et des informations à la Corée du Nord. Cette déclaration intervient alors que Washington a averti que des troupes nord-coréennes portant des uniformes russes se dirigeaient vers l'Ukraine. Nous sommes un pays où les investisseurs allemands et chinois de l'industrie des moteurs électriques sont présents et travaillent en étroite collaboration. Pour nous, il est évident que le succès de leur stratégie est absolument imbriqué. La Commission européenne a fait référence à l'intérêt de l'industrie automobile européenne, mais la référence donnée par l'industrie automobile européenne est contre les taxes supplémentaires. Nous considérons vraiment que ces mesures sont très nuisibles et très dangereuses pour la compétitivité de l'Union européenne. Malheureusement, la Commission européenne, dirigée par Mme von der Leyen, a causé beaucoup de tort à la compétitivité européenne. Et malheureusement, juste avant de quitter ses fonctions, elle a également pris cette décision. C'est très antidémocratique parce qu'il n'y avait que 10 États membres, alors qu'il y en a en tout 27.
et il n'est pas possible de considérer que 10 constituent la majorité de 27. En Espagne, le bilan est catastrophique, hein, des inondations dans le sud-est du pays, près de 100 morts, 3 jours de deuil national. Mais alors vous nous dites que ce n'est pas la seule calamité de l'Espagne, l'autre c'est sa classe politique. Oui, parce qu'en face d'une catastrophe, le réflexe politicien c'est de trouver un bouc émissaire. En général, on attend que les secours d'urgence aient fini de travailler, qu'on ait enterré les morts ou qu'au moins on les ait décomptés. Pas en Espagne, où la gauche et la droite ont commencé à se bagarrer hier alors que les inondations n'avaient pas fini de dévaster la région de Valence et l'Andalousie. Le nombre de morts approchait la centaine, mais au Parlement, le gouvernement ne s'occupait que d'une loi qui renforce son contrôle sur l'audiovisuel public. L'opposition de droite s'en est indignée, la gauche a contre-attaqué en accusant Valence d'avoir supprimé l'unité de secours d'urgence. Qu'importe si ce SAMU régional imaginé par la gauche, annulé par la droite, n'a jamais existé. Il a fallu que le roi, Philippe VI, apparaisse en grand uniforme pour exprimer ses condoléances et dise qu'avec la reine, il se tenait aux côtés des sinistrés, pour que cesse la bronca et que 3 jours de deuil national soient décrétés. Le souverain se tient au-dessus de la mêlée, c'est l'atout de la monarchie. Sa plaie, c'est la déliquescence de la démocratie espagnole. Alors, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, il gouverne alors que la gauche a été battue par la droite aux élections l'an dernier. Hein. Oui, aux élections municipales et régionales, les socialistes du PSOE ont pris une raclée. Au Sénat aussi, la droite est majoritaire. Aux élections législatives, le Parti populaire de centre-droite et Vox, les dissidents plus conservateurs, l'ont encore emporté avec 4 millions de voix d'avance. Mais c'est quand même la gauche qui gouverne, en s'appuyant sur l'extrême gauche, les Basques, les Galiciens, et en obtenant le soutien tacite des indépendantistes catalans. Évidemment, ces partis régionaux monnaient cher leur appui et leur marchandage affaiblissent toujours plus l'État central. Et c'est ainsi que depuis 6 ans, les socialistes restent au pouvoir alors qu'ils sont désavoués dans les urnes. Sur le long terme, ce tour de passe-passe est évidemment malsain. Ce qu'il y a encore plus, c'est de délégitimer l'adversaire, c'est de rejouer la guerre civile en dénonçant sans cesse le péril fasciste. Ça, c'est vrai que les socialistes instrumentalisent l'histoire. Hein. Mais à défaut de mener une politique de gauche sur le plan économique et social, l'Union européenne les en empêche, les socialistes espagnols offrent à leurs électeurs des revanches symboliques. Ils ont rebaptisé les rues, démonté les statues, liquidé tous les symboles de la victoire franquiste. Franco lui-même et José Antonio Primo de Rivera, le créateurs de la phalange, ont été expulsés de leur tombeau à la vallée de Los Caídos. Sur les questions sociétales, la barre est à gauche toute, et l'urgence, c'est de discréditer la droite assimilée au fascisme. L'apparition de Vox, un parti eurosceptique, anti-immigration, anti-woke et contre les autonomies régionales, a été une divine surprise. L'alliance électorale entre Vox et les libéraux du Parti populaire donne un ennemi à terrasser à tous les nostalgiques pressés de scander « No pasarán ». On pourrait se dire que l'Espagne se normalise avec une droite populiste comme chez ses voisins. La réalité, c'est que les vieux démons de la division sont réveillés. Il faudrait ajouter l'indulgence accordée aux Basques mal repentis de l'ETA, la reconquête islamiste, les scandales de corruption en cascade, le dernier en date éclaboussant d'ailleurs l'épouse de Pedro Sanchez, et vous comprenez que 93% wow. des Espagnols considèrent que la classe politique est le principal problème de l'Espagne. Ce raz-de-marée est bien plus grave que les inondations à Valence, car c'est l'Espagne qui se noie. La politique d'élargissement de l'Union européenne semble à la croisée des chemins. La Commission européenne a présenté mercredi son rapport annuel sur l'état d'avancement des pays candidats, mais cette publication intervient après 2 scrutins en Moldavie et en Géorgie qui ébranlent la dynamique politique observée depuis 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Chișinău a dit oui à l'Europe, mais par une faible marge, à 50,4%. Les Géorgiens, en revanche, maintiennent au pouvoir un parti qui reprend à son compte des lois inspirées par la législation russe. Ces résultats interrogent sur l'attractivité du projet européen. The European Union definitely has a lot of credibility, particularly in Georgia, and this is what the people choose for their future. It's not about the credibility of the EU, it's about the current government that is really taking their choice away from the Georgian people. In Moldova, the situation is a little bit different because Moldovans are very poor currently, and they have been the victims of all the manipulation from Kremlin, including increased prices, inflation, and they're just really vulnerable to that. Ces deux scrutins entachés d'accusations d'interférence russe,
soulève des interrogations sur la capacité de l'Union européenne à apparaître comme une alternative politique garante de sécurité et de stabilité. Toutefois, pour renforcer leur crédibilité, les 27 ne devront plus tergiverser sur l'élargissement. Les observateurs appellent l'Union à soutenir les réformes et la défense des valeurs démocratiques auprès des candidats à l'adhésion afin de les arrimer davantage au projet européen. Or, en cas de réponse européenne insuffisante, le risque serait de voir la Russie renforcer son influence sur ces territoires. Le Premier ministre suédois et son homologue danois se sont rencontrés pour discuter d'une solution commune face à la montée de la criminalité et des violences liées aux gangs dans les deux pays. L'année dernière, la Suède a connu une recrudescence des fusillades et des attaques à la bombe commises par des gangs. Une violence qui a ensuite traversé la frontière pour atteindre le Danemark et la Norvège. Les autorités affirment que de nombreux gangs suédois recrutent des adolescents dans les quartiers défavorisés à forte population immigrée. Der er desværre en meget tæt sammenhæng mellem udlændingepolitik og kriminalitetsbekæmpelse i dag. Fordi når vi kigger på den organiserede kriminalitet, når vi kigger på vold, når vi kigger på narko, så er der en overrepræsentation i Danmark og i Sverige, især med unge mænd med ikke-vestlig baggrund. Og det er uholdbart. En août de cette année, le Danemark a annoncé un renforcement de ses contrôles frontaliers avec la Suède pour lutter contre les gangs. Depuis le début de l'été, les violences ont fait 3 morts et 25 attaques ont eu lieu à Copenhague et à Malmö, selon les autorités. Revenir sur les investigations qui ont été faites par notre collègue Kevin Movio comme rapporteur spécial, qui a fait des contrôles sur pièce et sur place à l'Agence France Trésor et à la Banque de France pour essayer de répondre à la question qui détient la dette française, c'est-à-dire non pas des données nominatives, mais un tableau avec, par pays, un montant de la dette française. Manifestement, ces données relèvent du secret d'État, parce que ce qui a été expliqué au rapporteur, c'est que donc on a des spécialistes en valeur du Trésor qui répondent aux adjudications de l'Agence France Trésor, qui sont en quelque sorte les grossistes de la dette. Et ensuite, ces spécialistes en valeur du Trésor revendent la dette par petits bouts à un marché secondaire. Et donc là, l'Agence France Trésor et la Banque de France disent ou prétendent qu'ils ne savent pas ce que devient la dette française sur le marché secondaire. Or, c'est faux. Puisque, premièrement, les spécialistes en valeur du Trésor font des rapports réguliers à l'Agence France Trésor dans lesquels ils donnent ces informations, et ces informations ne sont pas connues du Parlement. Deuxièmement, il y a au sein de la Banque de France une salle des marchés dans lesquelles cette information est connue. Et troisièmement et dernièrement, si ça intéresse des journalistes curieux, ils peuvent aussi faire des investigations poussées au sein de la base financière Bloomberg, par exemple, où on sait, en cherchant un peu, où se trouve la dette française. Merci. Allez, monsieur Amiel, puis après on repassera. De Langleco et François Langlais, les Français ne travaillent pas assez. J'ai l'impression qu'on entend régulièrement cette petite musique. C'est le vrai. Débat a encore ressurgi ces derniers jours avec les discussions autour du budget. Alors François, est-ce que c'est un cliché? Est-ce que les Français travaillent-ils vraiment moins que les autres? Vous savez, comme toujours avec les chiffres, il faut être prudent. Oui, on peut en faire dire ce qu'on veut. C'est vrai. Si on prend le nombre d'heures qu'effectue en moyenne un actif français au travail, c'est 1600 heures par an. Ça fait 37 heures par semaine. Bon, en fait, c'est une moyenne, parce que les travailleurs indépendants bossent bien davantage, près de 2000 heures par an, alors que les salariés sont tout juste au-dessus de 1500 heures. Alors, ce qui est vrai, François, c'est que ces chiffres-là, de manière brute, ils ne nous parlent pas beaucoup. Alors, si on se compare aux autres pays, on est comment par rapport aux autres? Alors, voilà le palmarès. On est exactement au même niveau que le Royaume-Uni. On est au-dessus de l'Allemagne, qui est à 1350 heures par an, c'est l'OCDE qui nous le dit, au-dessus de la Norvège, du Danemark, de la Suède, qui sont quand même des pays développés. En revanche, on est en dessous de l'Irlande, du Portugal, qui sont à 1650 heures par an. En dehors d'Europe, alors là, les chiffres sont beaucoup plus élevés, 1800 heures aux États-Unis, 1900 heures en Corée du Sud. Bon, mais ça veut dire que si on regarde globalement la moyenne européenne, on est dans les clous, il n'y a pas de quoi s'affronter. Oui, c'est vrai pour cet indicateur, mais le problème, c'est qu'il ne donne qu'une vue partielle de notre situation.
arrêtons-nous juste un instant. Que les actifs français en emploi travaillent comme les autres européens, tant mieux. Mais c'est pas suffisant. Imaginons que deux pays aient le même nombre d'heures travaillées, 1500 par an, mais que dans l'un, une carrière dure 45 ans, alors que dans l'autre, c'est 35 ans seulement. Le résultat final, c'est pas du tout le même, parce que le nombre d'actifs au boulot est pas du tout le même. Il faut donc considérer aussi le nombre d'actifs dans la population, qui dépend à la fois du niveau du chômage, bien sûr, et puis de l'âge de la retraite. Mais alors, quel est le bon indicateur à regarder ? Il y a un chiffre qui est très significatif, c'est le nombre d'heures travaillées en un an rapporté au nombre d'habitants. On prend toutes les heures travaillées en France en un an. On divise ce nombre énorme par le nombre d'habitants, quel que soit leur âge, de 0 à 100 ans. Ça mesure la quantité de travail fournie dans un pays par rapport à sa population totale. Et là, qu'est-ce que ça donne pour la France ? La cata. Ah. En France, on travaille 664 heures par habitant. C'est le chiffre le plus faible de la zone euro, le plus faible de l'OCDE. L'Allemagne est à 729, le Royaume-Uni à 738, les États-Unis à 834. La moyenne de la zone euro est à 15% au-dessus de nous. Bon, mais comment se fait-il que l'Allemagne soit mieux classée que nous, alors que le nombre d'heures par salarié outre-Rhin est plus faible que chez nous ? Bah, tout simplement parce qu'il y a plus de gens au boulot là-bas. Le chômage est plus faible, la retraite est plus tardive. Ça souligne bien notre faiblesse, notre problème. C'est pas que les Français ne travaillent pas assez, c'est qu'il n'y a pas assez de Français au travail. Et c'est ça qui explique en partie nos difficultés économiques et budgétaires. Pas assez de Français au travail. Merci beaucoup. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.